j'espère que ça va. J'ai des choses à vous raconter, mais il faut que je me maquille parce que je dois aller au bureau. Petit moment matcha ASMR. Oh là là, par quoi commencer? Je vais essayer de me faire un make-up rapide. J'ai envie d'être en mode clean girl. Je me sens dégueulasse en ce moment. Je me trouve trop moche. Je mange des bêtises. Là, j'ai besoin d'un make-up qui me... Vous voyez ce que je veux dire? Par quoi commencer? Oh my god, en ce moment, je vous jure, ma vie n'a aucun sens. J'ai presque envie de dire que je suis encore plus débordée qu'au lancement. Mais en même temps, je sais pas si c'est possible. Mais on est sur ce niveau de débordement. Bon, en gros, ça va à 200 à l'heure. Il y a tellement de dingueries qui arrivent. Alors autant pour YouTube que pour Milia Matcha, que pour tout. J'aurais vraiment des dingueries. En fait, je sais pas si je vous dis, mais je pense que je vais vous dire un petit peu là ce qui se passe. Déjà, parlons de YouTube. Non, on va faire dans l'ordre. Il y a des nouveautés qui vont sortir sur Milia Matcha. Pour vous dire, il y a des choses qui devaient sortir déjà au lancement. Et comme ce n'était pas parfaitement parfait, j'ai repoussé. Et quand tu repousses, en fait, j'ai pu un peu choisir la date, donc vraiment prendre le temps de développer des produits encore plus poussés. Mais voilà, il y a des trucs de ouf qui arrivent sur Milia Matcha. Vraiment pas mal de choses finalement, parce qu'on n'a pas sorti de nouveautés depuis le lancement. Voilà, plein de choses qui arrivent là, dans les semaines slash mois à venir. Au fur et à mesure, il y aura des nouvelles choses. Je suis trop contente. Ah d'ailleurs, normalement ce sera fait quand cette vidéo sort. Le fouet électrique est de retour en stock. Voilà, je suis contente parce qu'on en avait plus. Donc voilà, et ça demande énormément de travail. Parce que pour ceux qui débarqueraient sur cette vidéo comme ça, on est en train d'embaucher, c'est ce que je vous dis à chaque vidéo. Mais en fait, on embauche, il y a des nouvelles demandes, enfin des nouveaux besoins. Donc on doit réembaucher et en fait ça s'arrête jamais. Donc je pense que si je veux, pendant chaque vidéo, je peux vous dire qu'on embauche encore. Mais le développement produit, etc, c'est moi qui m'en occupe. Donc ça demande énormément de travail. Parce qu'après il y a aussi, voilà, je vous fais un gros raccourci, c'est genre développer un produit et faire un shooting, mais il y a aussi les shootings organisés. Et vous en doutez, il y a 150 étapes logistiques et compagnie qui sont compliquées, bref. Donc ça demande énormément de travail et franchement, là, je disais à Jérémy l'autre jour, putain mais j'en peux plus. Voilà, je viens de recevoir une trop mauvaise nouvelle par rapport à une nouveauté, par rapport à une question de délai. Voilà, ma vie de tous les jours. Ça veut dire que là j'arrive au bureau, ça va être un énorme bordel. Faut tout refaire, tout recalculer, tout repenser, tout décaler, bah voilà. Ma vie en direct live. Et encore, là, il y a quelques mois, je serais limite en train de pleurer en mode j'en peux plus, y a rien qui fonctionne et tout. Là c'est en mode, c'est tous les jours la même histoire. Il y aura toujours un problème de production, un problème de délai, un truc cassé, un truc ci, un truc ça. Donc ça y est, c'est la vie de tous les jours. J'essaie de m'habituer parce que sinon on va pas s'en sortir. Je vais pas être mal à chaque fois. Donc voilà, en gros. Donc c'est un énorme bordel dans ma vie parce que il y a énormément de travail. Embaucher, ça prend beaucoup de temps. Travailler, ça prend beaucoup de temps. Travailler sur les nouveaux produits, etc. Dès maintenant, on pense à ce qui va sortir en février 2025. Autant vous dire que déjà que je galère à faire sortir les trucs dans un mois, imaginez le merdier que c'est dans ma vie. Donc voilà, on dirait pas comme ça, mais j'adore. Hein. Juste, c'est beaucoup. Et là, genre, je sens que c'est beaucoup. Attendez, je me lave les mains parce que là, j'ai tout mis avec mes mains. En règle générale, je fais ça fond de teint plus anti-cerne plus highlighter avec mes mains. Ensuite, je me lave les mains et ensuite, je mets que des produits avec des pinceaux. Bon, en gros, il y a des nouveautés. Il y a aussi des projets, des gros projets pour la marque, des grosses collaborations, je peux vous le dire. Franchement, des gros trucs. Et je pensais pas du tout que la première année de la marque, on allait pouvoir faire autant de choses et des choses aussi grosses. Je vous dis ça banal, alors que vraiment, à chaque fois que j'apprends des trucs comme ça, je suis sous le choc de l'ampleur que ça prend. Et même pour moi, personnellement, il y a pas mal de trucs. J'ai fait des interviews pour des magazines qui vont sortir très rapidement, mais des gros magazines. Je vais à un événement entrepreneur avec de très 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 gros entrepreneurs où je vais parler... sur scène un peu de mon expérience et ça me choque. En fait, même dans mes rêves, et encore une fois je vous dis ça comme si de rien n'était, mais parce que là je suis dans le rush, je me prépare, mais c'est complètement dingue ce qui se passe. Et même dans mes rêves les plus profonds, je n'aurais jamais pensé que ça allait autant vous plaire et que ça allait autant faire parler. On est tous choqués au bureau, enfin il se passe des trucs de dingue, on a des opportunités de dingue à chaque restock, c'est lunaire, même tous les jours en fait quand je vois le nombre de commandes, alors que là pareil, enfin là par exemple il se passe rien de particulier sur le site, on n'a pas d'offres particulières. On n'a pas de nouveautés, on n'a pas une giga campagne de je sais pas quoi. Il se passe rien de particulier, même juste voir le nombre de commandes qu'il y a chaque jour, je me dis waouh, vraiment les gens aiment et ça me touche vraiment beaucoup, c'est incroyable. Voilà, en gros pour Milia Matcha, tout ce qui va se passer et il y a évidemment plein autre chose, mais je vais pas tout vous raconter non plus. Ensuite, parlons de YouTube, parce que je sais que vous voulez parler de ça. Bon, vous savez, je poste 2 vidéos par semaine. Pour l'instant, ça ne va pas changer, mais j'avoue que là, comme je passe mes journées au bureau à gérer des problèmes, globalement, c'est un peu ça. Concrètement, qu'est-ce que j'ai à vous montrer de ma vie? Rien. Du coup, vous le savez, si vous suivez ma chaîne, tous les ans, je pars en Corée en mois d'avril. J'ai déjà fait ça 2 fois et c'est devenu notre routine à vous et moi, les vidéos en Corée. Bon, perso, c'est ce que je préfère de l'année, on va pas se mentir. Et je crois que vous aussi, je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Donc, cette année, devinez quoi? C'est notre 3e année. Je repars en Corée le mois
prochain. Je suis trop contente. Et l'année dernière, j'ai enchaîné avec le Japon, parce que bah, c'est juste à côté, avec Tokyo. Et cette année, en plus, il y a le matcha. Donc bien évidemment que je vais faire Corée-Japon. Et il va rester une plombe. Alors la Corée, ça va être full contenu. Le Japon aussi, mais je vais vous expliquer. Full concept, etc. Bon, vous avez l'habitude, les vidéos en Corée, on connaît mon quartier préféré, mes restos préférés, mes petits trucs, ma routine quoi. Franchement, vous savez que la Corée, c'est un peu chez moi. Donc on va faire plein de choses. Grâce à la marque, j'ai pu aller au Japon beaucoup de fois en 2024. Tout ça pour dire que, en plus de toutes les vidéos, etc., il y a depuis quelques mois, bon j'avoue, je vous en parle pas trop parce que... je sais pas. Mais j'ai un projet plus avec le Japon depuis qu'il y a la marque. Comment dire? Regardez, je deviens un peu timide. Je me sens très bien au Japon. Peut-être un peu trop même, parce que je rêve d'habiter là-bas. Là, bon, on a compris qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en train de se créer en France pour la marque, donc évidemment je ne peux pas partir maintenant. En revanche, il y a plein de choses qui se créent. Bon vas-y, je parle français. Je suis en train de créer ma société au Japon pour plein de raisons différentes, mais la première raison, c'est que quand on travaille en direct, ce qui n'est pas toujours le cas quand t'as des fournisseurs ou producteurs au Japon, mais on travaille en direct avec eux, et les Japonais n'aiment pas les sociétés étrangères, enfin n'aiment pas travailler avec des sociétés étrangères, ce qui fait que pour des questions de coûts, parce que ça coûte aussi de l'argent de faire des virements à l'étranger, pour des questions de relations, pour des questions de plein de choses, il faut que je puisse payer mes fournisseurs avec ma société japonaise. Voilà, je veux pas partir dans trop de détails parce que ça va être un peu chiant. Mais en gros, je suis obligée d'avoir une société au Japon parce que c'est pas si facile que ça de travailler en étant étrangère avec des Japonais tout simplement. Et qui dit société dit visa. Donc là, entre autres, j'aurai un visa investisseur. Dit appartement, dit bureau à Tokyo, dit beaucoup de choses. C'était pas du tout prévu que je vous raconte ça. Par contre, vraiment, voilà un petit peu les projets. Donc pareil, ça prend beaucoup de temps, tous les papiers à faire, etc. Donc je ne pars pas tout de suite. Donc je pars pour travailler, etc. Mais en tout cas, je serai de plus en plus au Japon. Et en même temps, je me dis, pour vous, ça peut être cool pour toutes les vidéos. Pour le matcha, ça peut être incroyable parce qu'on va pouvoir être... On est déjà tellement transparent, tout le monde est au courant de tout. Mais en fait, on va pouvoir être tellement tout le temps sur place, tout vous montrer, etc. Et franchement, ça va être encore mieux. Je suis trop contente. Attendez, il faut que je fasse mon liner parce que vraiment, je suis trop déconcentrée. Bon, je suis trop contente. J'avoue que je suis à la fois surexcitée, à la fois stressée parce que je me dis, waouh, c'est beaucoup de changements, beaucoup de... Pourquoi ? Je sais plus filmer une vidéo. Beaucoup de choses, et en même temps, je suis tellement fière de pouvoir faire ça parce que je me dis, c'est quand même dingue d'avoir eu cette passion pour le Japon, d'avoir pu créer une marque qui vit grâce au Japon et qui fait que maintenant, je vais pouvoir vivre avec ma passion quotidiennement. Enfin, en vrai, ça change pas grand chose pour vous, hein, mais bon, je voulais quand même vous raconter un peu les updates. C'est pas comme si j'allais déménager au Japon. J'espère un jour, et honnêtement, c'est pas prévu que je déménage au Japon. Hein. C'est juste que je vais y être plus souvent. Et voilà, mon make-up. Et fait, franchement, je suis contente là, le résultat ça me... Ok, je bois mon matcha, je vais m'habiller. Il pleut dehors, je pense qu'il fait moins 40 degrés. Vous allez voir, franchement, c'est pas le moment de m'engueuler, mais vous pouvez quand même un peu parce que regardez. Ouais, je sais, je suis au courant. Franchement, ça n'arrivait plus du tout, mais là, ça fait deux week-ends d'affilée que je ne suis pas là. Et voilà, vous voyez le résultat. À la base, je voulais mettre ce blazer que je viens d'acheter parce qu'il me manquait vraiment une couleur comme ça. Sauf que là, je trouve que ça fait vraiment trop too much. Là, j'ai envie d'être quand même un peu plus détente au bureau, donc j'ai mon pull là. Putain, j'ai vraiment 150 ans, ça me saoule. Même dans mon style, je suis en train de changer là. C'est pas possible. Dans ma vie, j'ai 150 ans. Dans mon style, j'ai 150 ans. Dans ma manière d'être, là, j'ai 150 ans. J'ai des responsabilités de gens qui ont 150 ans. Stop, ça suffit. C'est une cata cette tenue, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et voilà, je suis prête à aller régler des problèmes. Bon, bah voilà, c'est tout. Bah voilà, je vais juste ça vous dire en fait. Bah, j'espère que ça vous a plu. Bon, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Insta, sur TikTok. Partout, on est bientôt 600 000 sur YouTube, vous êtes des grands malades. Voilà. Et nous, on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Bisous!